Dans cette vidéo, on aborde deux commandes pour améliorer le programme, soit une boucle et une variable. La boucle, c'est une action de programmation très utilisée. Elle sert à répéter une action. Le bloc pour faire des boucles se trouve dans la section Contrôle. Il y a plusieurs fonctions pour plusieurs blocs pour répéter une action. Donc, on a répété indéfiniment, répété un certain nombre de fois, répété jusqu'à ce qu'un événement se produise, ou répété par rapport à la valeur d'une variable. Celui qu'on va utiliser, ça va être répété un certain nombre de fois. Les actions à répéter sont avancer de 25 pas, tourner de 90 degrés et attendre une seconde. Le nombre de fois est 4. La deuxième commande va nous permettre d'indiquer la taille du côté du carré plutôt que d'avoir tout le temps une taille de 25 pas. Pour cela, il nous faut une variable. On va créer une nouvelle variable qu'on va nommer côté. Et au lieu de dire avancer de 25 pas, on va lui dire d'avancer de côté pas. Sauf qu'actuellement, la variable côté a une valeur de 0. On va donc lui donner une valeur. On peut faire aussi en sorte que la longueur du côté nous soit demandée. On va dans les blocs capteurs. On prend le bloc demandé. Et on va mettre la valeur de la réponse à la variable côté. Pour améliorer l'apparence du programme, on va décocher position X, position Y, ainsi que la variable. Puis dans Stylo, on va modifier sa couleur. Et sa taille.